La gloire, Seigneur, merci de conduire ce moment. Merci de nous bénir parce que nous savons que sans toi, nous ne pouvons rien. Saint-Esprit, conduis ce programme au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, veuillez vous asseoir. Amen. 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 Je salue tout le monde présent ici. Amen. Amen. Alléluia. Ayez les regards fixés sur Jésus. Je vous dis Amen. Amen. Bon, pour d'autres personnes, peut-être qu'ils ont été choqués. C'est quel prophète qui est en tenue rouge? Vous savez, je vous dis d'abord, pour commencer, le diable n'a pas créé de couleur. Le diable n'a pas été créé. Le diable est une créature de Dieu. Le diable, c'est un usurpateur. Amen. Amen. Voilà. Donc, le diable n'a rien créé. Vous comprenez? Et puis, pourquoi la tunique? Pourquoi la toge rouge? J'ai une révélation dedans. Amen. Amen. J'ai une révélation, c'est dans le psaume, dans le Ésaïe 63. Avant de commencer, parce que, apparemment, ça choque d'autres personnes. Mais pourquoi il vient en tunique, en rouge? Par contre, deux pasteurs, les prophètes sont en costume. J'ai dit même il y a des mystiques qui sont en costume. Asie 47 porte-veste. Petit marteau porte-veste. Oui. Petit marteau et porte-veste. Asie 47 porte-veste. Moi je suis en toge sous révélation du Saint-Esprit. Amen. Ésaïe 63. Je préfère une personne à la foule pour lire. Je vais commencer par là d'abord parce que c'est choquant. Ah, et la rouge, ça veut dire quoi? Elle s'est pas virée, baillée, un truc comme ça. Ésaïe 63, c'est biblique. Amen. Amen. Qui est celui qui vient des dômes? Qui est celui qui vient des dômes? De Bostra. De Bostra. En vêtements rouges. En vêtements rouges. En habits éclatants. Hein? Et se redressant avec fierté dans la plénitude de sa force. Vas-y. C'est moi qui ai promis le salut. Très bien. Qui a le pouvoir de délivrer. Pourquoi les habits sont-ils rouges? Rouges. Et tes vêtements comme les vêtements de celui qui foule dans la cuve. Je suis, allons-y. J'ai été seul à fouler à oppressoir, et nul homme d'entre les peuples n'était avec moi. Je les ai foulés dans ma colère, je les ai écrasés dans ma fure, le sang a jailli sur mes vêtements, et j'ai souillé tous mes habits. Alléluia, tu t'arrêtes là, mais poursuivez ça à la maison. Amen. 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 Je dis que c'est sous révélation que j'ai porté la tenue. La toge rouge. Amen. Ça n'a rien à voir de mysticisme. Ça n'a rien à voir. Parce qu'il y a des gens qui sont tellement endoctrinés. On les a tellement endoctrinés à leur église. Ah, comme ça n'est pas chez moi, c'est notre église. Donc, ça, c'est choquant. Mais cette biblique, je vous ai donné une révélation. Vous savez, la couleur rouge, c'est le symbole de vie. Je ne vous ai pas demandé d'aller faire de sainte doctrine. Voilà. On ne fait pas de sainte doctrine. Jésus a marché sur l'eau. Sur la mer. C'est pas tout le monde qui marche sur la mer. Amen. Amen. Voilà. Alléluia. Amen. Mais moi, c'est par révélation que j'ai porté ça. Amen. Dieu m'a demandé de porter. Parce que moi, mon ministère, c'est la destruction des œuvres de la sorcellerie. Vous voyez clairement dans ce passage, on nous parle de quelqu'un qui vient de Bostra et de Dom. Et Dom, c'était la région où venait Jézabel. Elle est des dons de Sidon. Voilà. Où le Dieu Baal, qui venait de combattre, n'est-ce pas, détruire les présences sataniques, dont le sang
n'est-ce pas, le sang de cette personne versé sur son vêtement. Amen. C'est une unité que nous sommes en train de mettre en place selon l'Esprit de Dieu pour détruire la présence des ténèbres. Donc la couleur rouge même, c'est vie. Il n'y a rien de mort dedans. Enfin, c'est la couleur. Sans le sang, vous voyez, c'est la couleur, le sang, personne ne peut fabriquer. Et c'est la couleur laquelle nous rentrons dans le monde, c'est le sang. Amen. C'est pour ça que la Bible est claire là-dessus, il dit, nous avons vaincu Satan à cause du sang de l'agneau. Que le sang a quelle couleur? Ah, donc que Dieu bénisse. Ça mène à la révélation de la chose. Amen. Là, ça t'a délivré un peu. Dis amen. Amen. Dieu même est bizarre. Soit il est bizarre à nous. Amen. Mais c'est comme ça, il est Dieu. Il est bizarre. Alléluia. Amen. C'est quel gars qui vient, il est bizarre, il a une tunique rouge. Et c'est pas zérégui par hasard. Il n'y a rien de zérégui dans ça. Amen. Il n'y a rien de baillé. J'ai versé pour ça. Habile, a versé. Amen. Voilà, que Dieu bénisse. Je suis le prophète Joël Crasso, comme l'a dit mon collaborateur, le pasteur. Amen. Je suis le responsable du ministère de la compassion des âmes, abrégé MCA. Je fais partie de la Confédération africaine de lutte contre la délinquance et les crises spirituelles. C'est un nom scientifique qu'on a dans la chose. Sinon, c'est la sorcellerie. C'est pas autre chose que ça. C'est la sorcellerie. Délinquant parce qu'il y a des gens qui violent, font des viols spirituels. Ta propre femme ira dans la chambre, il la viole. Tu es couché, puis tu es insulté, tu violes ta femme. On a cédé pour ça. Puis les sorciers violent femme. Amen. Délinquance parce qu'il prend ton argent, il garde ton argent. Et tout ça. Donc, crime spirituel. Où il y a des crimes sans trace. Le monsieur vient et te tue. Personne ne peut expliquer ça. Donc, délinquance et crime spirituel. Lutte contre ça. Alléluia. Amen. Je fais partie de cette confédération dont je suis le guide spirituel, le responsable au niveau de la Côte d'Ivoire. Alléluia. Amen. Amen. Voilà, que Dieu bénisse. J'étais tellement réjoui parce que c'est Amen. Une famille qui fait partie, qui est chapeau village, qu'on appelle le Malaboué. Et il faut dire que cette année, le Seigneur nous a orientés dans le Bas-Sassandra. C'est vrai qu'avec toutes sortes d'attaques, mais nous autres, nous fonçons par la grâce de Dieu. Nous sommes en train de foncer pour libérer, n'est-ce pas, des otages sataniques, des otages spirituels. Nous sommes en train de foncer, malgré les attaques, malgré que les gens nous vilipendent, les gens fabriquent des histoires sur nous, ils nous racontent des choses. Mais quand nous sommes sur le terrain, ils vérifient A plus B que Dieu est à nous. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Selon Dieu, chaque année, Dieu nous inspire à pénétrer une zone. Vous savez, Jésus d'abord a dit, vous recevez le Saint-Esprit, dans Actes 1, le verset 8, vous serez mes témoins. D'abord, il commence par Jérusalem. Amen. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Ma Jérusalem, c'est la Côte d'Ivoire. Malheureusement, quand quelqu'un, il y a des gens, les hommes de Dieu, quand ils reçoivent l'onction, c'est les États-Unis qui les intéressent, c'est le Canada. Moi, je suis invité au Canada. Je suis invité sur les États-Unis. J'ai un pasteur qui aimerait me voir là-bas, même. J'ai refusé. Moi, ça ne m'intéresse pas pour le moment. J'ai dit aux gens, le plus grand champ missionnaire, c'est l'Afrique. J'allais prêcher quoi là-bas? Qu'est-ce que vous n'avez pas encore entendu? Qu'est-ce que vous n'avez pas vu? J'allais bénir. Nos parents, ils sont dans la forêt là-bas, non, ils ne connaissent pas Jésus. Tu dis, c'est qui? Lui, il adore son génie. Donc, moi, je prie pas aller évangéliser mes parents. Les blancs me sont venus, le plus grand champ missionnaire, c'est l'Afrique. Amen. C'est pour dire quoi? Le prophète Crasso, notre ministère, c'est le ministère de la compassion des âmes. Chaque année, nous voyageons. N'est-ce pas, pour gagner les âmes à Jésus, pour dépeupler le royaume de Satan. Vous comprenez? C'est ça la mission du chrétien. Jésus dit dans Matthieu 28, 19, allez et faire des nations les disciples. Mes disciples. Vous savez, quand tu pars évangéliser, Dieu cautionne ton ministère par des miracles. Amen. C'est vrai que vous avez appris beaucoup de choses, mais c'est le miracle de Jésus, ce n'est pas attribué à quelqu'un. Alléluia. Amen. Ça, c'est le miracle de Jésus, c'est Jésus qui le fait. Alléluia. Amen. Donc, parler sous l'inspiration de Dieu cette année, c'est le Bas-Sassandra. Nous avons visité Nyango 2, nous avons visité Nyango 1, et Nyango 2, d'ailleurs, le Seigneur nous a puissamment utilisé pour démanteler un grand réseau de la sorcellerie. Vous savez, je vous dis aujourd'hui, que vous croyez à la chose ou pas, mais il y a deux mondes qui régissent notre monde. Il y a le monde invisible qu'on appelle le monde spirituel, et puis il y a le monde visible. Le monde visible, là, dépend d'un autre monde qu'on appelle le monde spirituel. C'est pour ça que Jésus, après sa résurrection, va dire à ses disciples, tout pouvoir m'a été donné d'abord dans les cieux et sur la terre. C'est pour ça que Jésus dit, tout ce que vous liez sur la terre sera lié dans les cieux. Amen. Donc le monde spirituel. Il y a un grand réseau qui a été démantelé à Nyango, parce que le problème clé de l'Afrique, c'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie. Les gens disent que l'Afrique est pauvre. C'est vrai. C'est ce qu'ils disent. Mais nous, quand on regarde notre Afrique, c'est riche. Nous avons de l'or ici. On a pétrole, nos cacao là, et ils mangent ça aussi.
On a ça ici. Amen. Alléluia. Amen. Amen.